Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver ce soir. Je vous emmène de sortie, une super soirée apparemment chez Mercedes Cachoeir Eupen, partenaire de Max 25 pour la présentation d'un véhicule dont vous avez déjà la chance de connaître, le Mercedes 200 CDI Shooting Brake avec une boîte automatique. Le reportage arrivera dans les heures prochaines, je vous l'assure. Donc je disais, sur quelques notes de jazz, le dynamisme Mercedes, tout du moins Cachoeir en tout cas, est mis à l'honneur. Et vous allez vous rendre compte de quelques ateliers assez surprenants. Il y a même un bateau dans le showroom. Dieu sait que Cachoeir a des idées. On va les rencontrer en atelier, c'est le cas de le dire, monsieur Eddy Lejeune, qui crée ses propres bijoux, et ce, depuis quelques années. Et vous savez que c'est un produit que j'apprécie, le Made in Belgium. Il est également ici. On va l'interviewer évidemment avec quelqu'un de chez Cachoeir pour donner un petit peu la température de l'événement. Je vous souhaite une excellente soirée. Suivez-moi, on va aller voir quelques belles choses. Alors, premier tour de table, monsieur Eddy Lejeune. Voici un bijoutier particulier parce que c'est quelque chose que j'affectionne. On est dans le Made in Belgium. Ça, c'est tout à fait extraordinaire et ça ne date pas d'aujourd'hui apparemment. Donc, nous avons démarré l'entreprise en 1985. Et donc maintenant, on peut dire on est à la pointe de la technologie, avec surtout le 3D maintenant, qui est une révolution dans le métier, qui est, on peut le dire, un tout nouveau métier. Et donc, on s'est adjoint les services de vraiment de professionnels. Et donc maintenant, nous dépassons les frontières de la Belgique. Alors, pour un fanatique de montres comme moi, j'en ai une à gauche, j'en ai une à droite, on a les montres rond à mer, en fait. C'est une histoire quand même relativement ancienne, 125 ans, c'est ça? Voilà, plus de 125 ans, qui est une marque de cœur pour moi, puisque j'ai étudié sur ce mouvement-là à l'école. Et donc, cette marque a voulu s'associer à nos fabrications et donc souhaite faire, en tout cas au niveau des cantons de l'Est, le point de vente référent au niveau de la marque rond à mer. Alors, si vous voulez quelques informations au niveau des produits de M. Eddy Lejeune et de son entreprise, les coordonnées s'affichent en bas de page. N'hésitez pas, et je vous assure que c'est connu et reconnu. Une excellente soirée, un grand merci. Je vous remercie mille fois. Le garage Cachoeir Eupen a une différence par rapport à Liège et à Verviers, c'est qu'ici on retrouve Smart. Alors Smart, c'est déjà une belle histoire. Smart vient de changer, on a un véhicule maintenant qui est encore plus original, qui est encore un peu plus maniable. Alors est-ce qu'il y a deux, trois petites choses supplémentaires? Parce que je vous assure qu'en primeur, on va avoir le test de la Smart en comparaison à l'ancienne génération. Max 25 ne recule devant rien. Donc quelles sont les nouveautés en fait sur la Smart en grosse ligne? En grosse ligne, la nouvelle Smart, donc elle a le look très particulier, elle est très agile, elle représente un confort vraiment super. Elle est équipée du moteur Euro 5, donc c'est le seul de sa gamme. Et elle a l'angle de braquage vraiment le plus petit de sa gamme. Alors justement, c'est le rayon de braquage, c'est un véhicule de ville. Et alors, je peux dire que, pour le savoir, puisque j'ai la chance d'avoir une Smart, coïncidence de chez Cachoeir, le rayon est très court, mais ce qu'ils ont de les faire là, c'est quand même très fort. Je vous invite à suivre bientôt le reportage et le comparatif de la Smart. Il y a plusieurs motorisations possibles? Oui, il y a des grandes personnalisations possibles ici dans les nouveaux modèles. Donc il y a des multitudes de personnalisations. Oui. 3xw.cachoeir.be, prenez un rendez-vous, faites un essai, on continue, on va voir plus loin, on va voir. Contrairement à ce que vous pourriez croire, Christian Kino ne boit pas. Grave erreur. J'ai la grande chance aujourd'hui d'être avec la direction de Bim Bam Bull. C'est assez sympa. Alors, quel est le produit, quel est le secteur, quel est le marché? On se rend compte qu'on est dans l'alcool, mais quoi précisément? Eh bien, Bim Bam Bull, c'est avant tout de l'importation de vin français et italien, ainsi que des grappas. Alors qu'on représente ici ce soir les grappas Alexander et les grappas Bottega. Alors, on peut retrouver la gamme de produits sur le site internet de la société? Voilà, sur www.bimbambul.be. Et alors, vous avez un magasin officiel? On peut visiter le magasin? Oui, effectivement, on a un magasin qui fait également office de showroom pour l'Oreca et qui est situé route du Condreau, numéro 304 à Nandrin. Quel est votre produit haut de gamme? On travaille en tout cas, au départ, on s'appelle Bimbambul parce qu'on a été spécialiste dans l'importation de Prosecco. Et on travaille donc toute la gamme des Prosecco Bottega, dont la gamme métallique Collection, qui est une bouteille peinte, donc la gamme Bottega Gold. Alors moi, je pense que le bon plan, c'est d'essayer et de goûter chez soi, bien sûr. Hors de question d'en vider trois bouteilles avant de reprendre l'autoroute, ça, c'est pas vraiment la bonne idée. Donc je vous invite à aller visiter le site internet, on vient de le dire, il s'affiche en bas de page pour aller faire une visite. Et je pense même que Max 25... va aller voir ça un peu plus loin. On boit vert. On y va, c'est parti. Je pense à vous.